Eh bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour l'épisode 25 de l'épopée d'un enchanteur, et oui 25. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je n'ai pas voulu publier pendant les fêtes parce que je pense que vous avez d'autres choses à faire. Nous nous retrouvons donc à l'usine à neige qui a bien avancé, j'ai cassé ma pelle à l'instant donc... Donc voilà, donc j'ai récupéré pas mal de neige, donc ce sera. Donc ça sera sympa, ça aurait été sympa. Et ah oui, alors avant que je monte, TB Killer m'a laissé un message en me disant dans ta prochaine série, je te réserve une surprise dans ta maison. Bon, donc apparemment il a laissé un coffre. Yo bro, surprise! By TB Killer. Ok. Ok, donc il m'a laissé un livre apparemment. Qu'il a pas signé, bizarre. Alors, yo bro, j'ai une surprise pour toi. Va aux coordonnées moins 4000 et 800. Oula, c'est loin ça. PS, prends des barques, t'en auras besoin. Ok, enjoy, have a nice day. Ok. Bon, ben... On va bien voir. On va laisser ça comme ça pour le moment. Moins 4000, moins ça. On va y aller. On va y aller. On va y aller ensemble. Pendant le trajet, je vais faire un timelapse quand même. Comme ça vous permettra en plus de voir un petit peu la map. Si je dis pas de bêtises, moins 4800, c'est par là normalement. Ouais, c'est par là. Mes X diminuent et mes Z augmentent. Donc c'est ça, c'est par là. Oui, j'ai fait donc une un second golem de neige qui celui-là a eu la vie dure. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de le construire une première fois pendant qu'il pleuvait et j'ai pas réagi sur le coup que quand il pleut, ben il meurt. Donc c'est plus censé arriver à cause de la dalle, hein, bien sûr, hein, ça y a pas de souci. Et il s'est fait buter une fois par un squelette qui se baladait ici. Donc ouais, contre les squelettes ils sont pas très efficaces, mais bon, mais sinon contre les zombies et les creepers, ils se débrouillent. Donc on va prendre notre stuff quand même par sécurité. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, je sais absolument pas. Des barques il a dit. Il a dit des barques, ça on va quand même suivre ses conseils. J'ai une barque ici, je vais peut-être en faire une deuxième, histoire qu'on soit sûr du truc. On va faire trop. Non, je sais pas. De la bouffe, évidemment, bon, j'en ai. 21, ça va peut-être être un petit peu juste. Je vais peut-être en prendre un peu plus. Qu'est-ce qu'il me réserve? Je sais pas du tout de quoi il s'agit. J'espère que c'est pas une connerie. Je vais prendre des steaks. Qu'est-ce qu'il me faudra? Une épée. Je crois que j'ai stocké. J'ai plus que des épées en pierre. Non, tu déconnes. Mon épée de la mort là, elle est où? Elle est. Bah zut, mon épée super balèze, où est-ce que je l'ai foutu? Ma tranchant 5 recul 2, elle est où? Brisé, je l'ai pas supprimé en repassant en créatif, j'espère. Elle doit être à la usine à potions. Bon, ça fait rien. Bon, bah, je vais me faire une simple épée en. Ah, je vais me faire une épée rapidement avant de partir. Ouais. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Au moment où je tente cet épisode, pour moi, les fêtes sont pas encore passées, mais bon. Donc voilà. Donc évidemment j'ai toujours cette neige parce que je n'ai pas encore fait la prank que vous aurez certainement vue à Noël. Je sortirai une vidéo certainement quand même pour Noël sur le serveur. J'ai besoin de ça.
Excusez-moi, je suis un petit peu mal organisé. Donc. Non, c'est une épée qu'il me faut. Remarque une pioche aussi peut-être, parce que si c'est quelque chose à miner, bah, je pourrais toujours faire de toute façon un flashback pour... Non, allez, on va quand même prévoir le truc, on va... Oui, donc rester un seau d'eau là. Hop, enfin un seau de lave, hop. Ah oui, bah, on va prendre un seau d'eau quand même, on sait jamais, au cas où on doit descendre une falaise, une connerie dans le genre. Ma pioche qui est presque morte, mais bon, on va la prendre quand même. Ça c'est des œufs, c'était parce que j'ai fait une connerie, je vais le laisser là pour le moment. Bon, pour le moment je vais me servir de ça comme coffre à merdier parce que... Ok, pas besoin, pas besoin. Mince. Bateau, bateau, bateau. Ok, on va garder un seau d'eau à notre portée. Je pense qu'on a tout. Des torches. Des torches, des torches. On va garder les torches. Quand même mettre carrément ici. Pour être sûr du truc. Bah écoutez, on va y aller. Et puis ben je vous mets ça en accéléré. Et puis ben, à tout de suite. D'accord. Ah oui, bon. Ok, alors c'est ça qu'il a trouvé. Bon. Ah, elle est bizarre l'herbe des mushrooms avec Affinity HD. Donc c'est un biome mushroom qu'il a trouvé. D'accord. Ah bah c'est génial. Pourquoi c'est génial? Alors là... Ça veut dire ressources de bouffe illimitées et expérience illimitée et loot de mobs illimité. Pourquoi? Je m'explique. Je pense qu'Aipierre a l'intention de faire ça dans son Holy Cube. Enfin, si son épisode sur le sujet n'est pas encore sorti. Ah ouais, ça va être génial. Alors en gros, je vous explique. Dans les biomes mushroom, les mobs ne spawnent pas, mis à part les vaches champies, qui sont superbes avec Affinity HD. Mais comment le truc c'est que comment c'est qu'autour ce sont des biomes océans et que dans les biomes océans s'il y a un bloc dans les biomes océans
Il y a comment comment il y a possibilité de comment que les mobs spawnent quand même. Donc le truc ce serait de faire une tour à mobs dans l'océan qui ramène les mobs vers le mushroom. Et donc là on a un maximum de taux de spawn. Faudrait juste que je vérifie un truc. C'est que dans les biomes océans qui nous entourent là, qu'il n'y ait pas de caverne en dessous. Vous m'excuserez, je vérifierai ça avec X-Ray. Là-bas c'est encore du mushroom. Non, tout à l'heure submergé aux alentours déjà. Mais faut que je regarde si dans les cavernes en dessous il n'y a pas risque de spawn. Putain, ça va être génial. Ah ouais, ça serait génial. Ça permettrait d'avoir ma propre ferme à XP et de plus aller à l'Under Farm. Hein, là-bas ça a l'air d'être de plus être vraiment submergé. Ouais, là-bas ça dépasse. Ouais, Minecraft c'est ça dépend, ça dépasse. Pour ceux qui connaissent la référence. C'est le Père Noël est une ordure. Vous avez dû le bouffer pendant les fêtes aussi celui-là. Bon, enfin bref. Non bah c'est cool. Bah écoutez, je vais me faire un. Je vais monter sur le plus haut sommet, tiens. On va faire ça. Oh, ça a l'air d'être bien ça. Et je vais me setter un home ici. Ah, là c'est un peu plus haut. Ouais, et je vais me setter un home ici, tiens. Hop. Elle est pas mal en plus, l'île. Enfin, elle est pas. Ouais, si, elle est assez grande. Ça donne quoi derrière là? Ah non, derrière elle s'arrête. Donc là-bas ça doit pas être du mushroom donc il faudra que je taille. Ok, puis avec X-Ray il faudra que je regarde en dessous s'il n'y a pas des cavernes qu'il faudrait au minimum éclairer ou alors... Ok, bah, un biome mushroom. Ah c'est excellent ça. Ça va permettre de... Plus ça pourrait faire une zone sympa où on... Une zone de repos sympa quelque part parce que c'est là... Les biomes... comment les mobs n'y spawnent pas donc ça peut être que génial. Ok, bah écoutez, je lâche cet homme. Et on va appeler ça comment? Mush... allez, Mush MDJ. Pose pas de questions. Ok, bah c'est génial ce truc. Merci TB Killer. Bon bah ouais bah c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est méga cool même. Bon donc et ben en plus on pourrait faire de la culture de champignons. Ouais mais c'est assez long la culture de champignons. En plus il y en a déjà une dans le néant donc bon. Ok, donc petite coupure, je vois un petit peu avec le montage à combien de temps on en est, et puis ben si on est bon, je vous reprends pour la construction d'une tour à mob ici. Ça fera un super sujet d'épisode, enfin ce sera la même tour à mob que ce qu'il y a dans le néant, tiens d'ailleurs je vais vous la montrer. C'est le modèle d'Ito, c'est pas compliqué, comment on va... comment je vais... C'est cette tour à mob là. Alors je ferai pas le système de ça certainement. Et en fait là ici donc les mobs meurent quand ils tombent, mais je ferai pas comme ça pour comment pour voilà donc c'est comme ça. Donc un étage c'est simplement des zones de spawn comme ça avec tout simplement le des courants d'eau voilà qui amènent les mobs. Qui amène les mobs. Donc ouais, donc je vais faire ça et puis ça donc je ça avec un les mobs tomberont pas d'aussi haut, ils seront ramenés dans un conduit d'eau qui vont les ramener à moi. Et puis tout simplement après avec un crusher ou un truc comme ça, je vais faire une ferme à XP. Ah, on va faire ça. Un crusher à lave, je vais peut-être faire. Ouais, ouais sympa. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça donne quoi ici? Ouais, ici de toute façon il n'y a plus de production. Ici ça donne quoi? Ça se remplit. Enfin bon, ça c'est autre chose. Ok, sinon tout fonctionne ici. Ça a l'air nickel. Ok.
La ferme, j'ai toujours arrêté parce que voilà, mais ok, bah écoutez, back. Je check le temps et puis je vous retrouve tout de suite. Ok, donc vu le temps que donc j'ai fait un petit aller-retour rapide pour aller me chercher ce qu'il me faut dans mes coffres, je vais faire plusieurs allers-retours. La question est où est-ce que je vais poser cette tour à mob? Je verrais bien plutôt en bas de l'île pour le coup. En contrebas que hop. Ça a l'air d'être ici le contrebas, donc on va se mettre par ici. Ouais, on va la bâtir par ici. Ce sera bien. J'ai pas eu le temps de me déconnecter pour voir X-Ray. Enfin, avec X-Ray, s'il y avait des cavernes en dessous. Mais bon, flashback, hop, ici, on va prendre la pierre qui nous reste. Il nous en reste plus des masses, hein. Sinon, il me reste toujours, c'est de la pierre taillée en bas. Enfin, de la pierre, de la roche, quoi, et encore, il en reste plus des masses. Je vais me la prendre pour un autre usage. Je vais la prendre pour un autre usage. Je sais quoi. Donc ici on va mettre la pierre. Donc la pierre c'est la cobble hein, tout simplement. Et ouais, de toute façon oui, c'est la traduction française, c'est tout. Et la pierre lisse ici. Je suis chez moi, donc je suis en connexion locale. Je pourrais très très bien, ouvrir mon second compte pour me filmer d'en haut. Et même si je n'ai pas assez de pierres, au moins commencer la construction de la tour à mob. La tour à mob elle-même, parce qu'il faut que je regarde au système de rapatriement avant. Je vous montre. Puis après tout, la tour à mob, c'est la même que celle d'Ito, donc je sais pas si ça vaut vraiment l'intérêt de filmer la construction. Écoutez, je fais déjà le réceptacle. Et puis, oh, le réceptacle, j'allais le faire en vert, tiens. Ça pourrait être sympa. J'ai ramené du verre. Je dois en avoir. Ouais. Je dois en avoir. Ben là. Non, ça doit être en haut. Si j'en ai pas, je vais aller m'en faire. Non, c'est pas là. Si je dis pas de bêtises, ça doit être là. Ah, j'ai que 64 en verre. Ouais, mais je dois avoir du sable. J'ai du sable. Pas de masse en sable. Attendez, parce que je réfléchis un petit peu, j'essaie de m'organiser, mais là. Je dois avouer que c'est pas. Et bien sûr, j'ai oublié le charbon. Ok! Charbon. Non, bah un petit peu d'organisation et puis c'est tout ce qui me manque. Écoutez, je vais faire peut-être un gros accéléré sur ben le. Ah, oh, j'ai pas de pelle. Oh, quel boulet. Sauf que j'ai pas besoin de pelle.
Donc je vais m'éloigner un petit peu de la ville PNJ, puis me faire une petite carrière de sable. M'éloigner pas énormément, hein, juste... Ah ouais, tiens, je sais ce que je vais faire, tiens. Ouais, non, quoique non, en fait, il me faut une plaine... Ok, bon, donc je vais... Ouais, je vais commencer à creuser d'ici, je pense. Voilà, puis je vais me faire comme ça tout un minage comme ça de sable. Et puis ben je vous retrouve tout à l'heure. Ça déblaye pas mal l'horizon, hein. Bon, enfin voilà, je pense qu'en fait on va arriver à la fin du temps réglementaire. Enfin réglementaire. Non, je fais un peu ce que je veux avec le temps, mais bon, c'est pour vous. Je suppose qu'à des épisodes de 40 minutes, c'est un petit peu trop long pour vous. Donc, je vais quand même me rechecker le temps pour voir, mais je pense que. Je pense qu'on va s'arrêter là avec cette grosse séance de minage de sable. Finalement, donc, je me suis refait une... Elle est presque morte d'ailleurs, une pelle efficacité 5, solidité 3. J'ai perdu 30 niveaux en essayant d'avoir l'efficacité 5 dessus avec ma table d'enchantement, mais il ne m'a donné qu'une efficiency 4, donc... Donc non, quoi, ça a pas voulu. J'irais bien me chercher quand même quelques entonnoirs, histoire de... Histoire de rempoter ça de temps en temps, mais bon. Voilà. Bon, ben, écoutez, je check le temps et de toute façon, on se retrouvera quand... quand mon sable aura fini de cuire et que j'aurai fait le réceptacle de la tour à mob. Voilà. À tout à l'heure. Oui, donc je viens d'aller checker la vidéo, donc on est donc on va rester sur un épisode assez court de 20 minutes, 21-22 quoi. Donc sur ce, ben j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous le désirez. Pour le prochain épisode, on se retrouvera avec le début de la tour à mob de... Enfin au moins le réceptacle de la tour à mob de fée.
Je vais rester à AFK le temps de. Le temps que le verre finisse de cuire. Et puis ben donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Suivez l'actualité du serveur sur ma chaîne YouTube, sur la page Facebook mindsurf-mdj, ainsi que sur le site mindsurf-mdj.fr.nf. Et je vous dis à bientôt. Elles ont un anneau dans le museau. J'avais pas vu ça. Ouais, c'est le swag.